Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo, parce que même dans la campagne d'entre-deux-tours, eh ben, on fait du fond. On va parler programme, on va parler étudiants, université, CROUS, conditions de vie. Alors je voulais vous parler de ça parce que on avait fait une petite vidéo au premier tour des législatives sur un étudiant qui était mort en résidence universitaire, malheureusement, à la résidence de Pont-de-Bois, ici, sur la circonscription. Alors déjà sur les conditions de vie étudiantes, vous savez que dans le programme L'avenir en commun, on propose une allocation d'autonomie sous condition de ressources, parce que voilà, on considère que c'est soit l'allocation d'autonomie, soit on a de l'aide de ses parents. Et pas les deux en même temps, évidemment. Mais cette allocation d'autonomie, elle est pour 5 ans pour faire toutes les études. Parce que, honnêtement, vous ne pouvez pas faire des études dans de bonnes conditions quand vous êtes en train de bosser à côté. Et tous ceux qui regardent cette vidéo et qui bossent à côté le savent parfaitement. Et puis en plus, on ne peut pas se plaindre qu'il manque du boulot si en plus on laisse les étudiants à la fois faire leurs études et avoir le petit boulot. Peut-être que le petit boulot, il intéresserait quelqu'un qui justement est en galère de travail. Hein, je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, sur les conditions de vie étudiantes, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, en 2010, j'avais organisé en tant que vice-président étudiant du CROUS une grève des loyers en résidence universitaire. Parce que clairement, les conditions de vie sont lamentables en résidence universitaire. Il y a eu quand même des améliorations, mais il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet. Alors, il faut clairement investir dans les résidences universitaires. Et peut-être là-dessus aussi, il serait intéressant de faire une commission d'enquête parlementaire. Je me souviens en 2010 d'avoir vu des cas de staphylocoque doré dans les résidences universitaires sur l'île 1, avec des résidences qui étaient construites en 1975. Et les meubles, il y avait certains meubles qui dataient de 1975. Un truc hallucinant, quoi. Hallucinant. Donc, il faut vraiment mettre le paquet sur l'enseignement supérieur. Alors, c'est ce que raconte Macron. Il faut mettre le paquet sur l'enseignement supérieur, libérer les énergies. Enfin, vous voyez le topo, justement, le topo de Macron, en l'occurrence. Et donc, pour ça, il veut donner, par exemple, un pass culture, quand on a 18 ans, 500 euros à dépenser chez la Fnac, Amazon, etc., dans tous les grands groupes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que ces 500 euros ne seraient pas plus utiles à l'université avec du matériel adapté pour donner des cours dans des bonnes conditions, pour avoir des logements de qualité, pour avoir une allocation d'autonomie, pour avoir des conditions de vie qui soient dignes et décentes pour étudier, pour former les travailleurs qualifiés de demain? Est-ce que ce n'est pas ça plutôt l'enjeu? Et puis, M. Macron, c'est aussi la sélection à l'université, hein, à l'entrée. Alors déjà, dès cette année, ça commence. Hein. On m'a dit, il n'y a plus de place à la fac, il n'y a plus de moyens. Donc bon, bah pour l'instant, ce qu'on a trouvé, c'est le tirage au sort. Bon, à la limite, le tirage au sort, c'est le truc qui est le moins injuste, on va dire ça comme ça. Mais rendez-vous compte, quoi. Qu'est-ce qui fait celui qui n'est pas tiré au sort? C'est du grand n'importe quoi. Est-ce qu'on n'est pas en capacité d'accueillir tous les gens qui veulent faire des études? Il n'y aurait pas assez de richesses dans ce pays? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et alors Macron, alors lui, il va plus loin. Donc il faut sélectionner sur dossier en fonction des notes, etc. C'est la vraie ségrégation sociale, quoi. Hein, t'es fils d'ouvrier, tu feras ouvrier, hein, s'il te plaît. Et puis Macron, c'est aussi l'autonomie à l'université. Alors l'autonomie, ça a l'air sympa, quoi. C'est bah, débrouillez-vous, embauchez qui vous voulez, les meilleurs, soyez les plus compétitifs. Sauf qu'à la fin, c'est quoi? C'est quoi l'autonomie? C'est la concurrence généralisée. Ça veut dire que les universités, vous savez, de proximité comme on a sur la Côte d'Opale, qui servent parce qu'il y a plein d'étudiants qui n'ont pas les moyens de prendre une chambre en CTU sur la métropole lilloise et qui veulent avoir une formation universitaire et qualifiante. Et ben eux, on leur dira, bah écoutez, votre fac, elle n'est pas bien classée, vous n'avez pas les bons profs, débrouillez-vous, allez sur l'île, sinon allez pointer à Pôle emploi. Voilà, c'est ça le monde de Macron, quoi. Et c'est ce monde-là dont on ne veut pas. Moi, je veux une allocation d'autonomie. Moi, je veux une université accueillante qui accueille tous les gens qui veulent être formés. Et je veux surtout qu'on crée de l'emploi à la sortie, à la clé. Là, je vous renvoie vers d'autres points du programme. Mais ce n'est pas le monde universitaire de M. Macron qui va changer la vie des étudiants. Ça va juste augmenter leur précarité. Alors, les gens, n'attendez pas. Mettez-vous en dynamique. Venez nous aider et envoyons un député de la France insoumise à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, YouTube, Facebook, Twitter, des commentaires. Et puis, je vais vous demander, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, de mettre un petit pouce sur ma page et d'inviter vos amis à aimer la page. On essaye d'atteindre les 1000 j'aime d'ici le premier tour, enfin, pardon, le deuxième tour de l'élection législative. Je compte sur vous. À bientôt!